Bienvenue à cette grande édition de la mi-journée, mesdames et messieurs. Ouvrons ce journal à Kananga, où désormais le centre de la République démocratique du Congo sera désenclavé. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement l'ouverture ou le début des travaux de réhabilitation de la route Kalamba-Mbuji qui va ouvrir le Kasaï central à l'Angola. La presse présidentielle nous en parle. À la faveur de sa visite éclair à Kananga ce samedi 10 septembre, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est rendu dans la commune de Nganza pour le lancement des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ces réseaux de près de 50 km devenus vétustes sera réhabilité par Safrimex qui a gagné ce marché. À son arrivée, la population a exalté de joie de voir cette ville recevoir pour la première fois depuis un demi-siècle un coup de neuf. Ces travaux consistent en la réhabilitation de plusieurs artères coupées par des têtes d'érosion. Au-delà de l'embellie de la ville, ces travaux d'infrastructure routière offrent d'emplois à plusieurs jeunes de Kananga. Dans la soirée, le président Félix Tshisekedi a visité l'école d'excellence construite par le service national pour l'encadrement des jeunes. De nombreux reçoivent des formations spécialisées dans divers domaines. Ces jeunes, jadis désœuvrés, constituent une pépinière dans plusieurs domaines de la vie. Pour se sentir le roi Batou, il y a valeur mon aimé. Vous allez que ton gambo cannabis sur République démocratique du Congo. Ma camarosa les est belé. Nazaku, c'est un que vous allez cannabis toujours total en ennemi. Toko Kobi Samakamango. Le chef de l'État a encouragé les encadreurs du service national à multiplier ses écoles de référence dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Du président allant du 5 au 10 septembre 2022. Voici le condensé des activités phares du chef de l'État, ici présenté par la presse présidentielle encore une fois. Changement climatique au sommet sur l'adaptation en Afrique qui s'est tenu en début de semaine à Rotterdam aux Pays-Bas. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réitéré sa requête pour le respect du pacte de Glasgow concernant les engagements pris par les pays pollueurs face au changement climatique et à d'autres crises qui impactent négativement le développement du continent. La RDC, co-organisatrice du sommet sur l'adaptation en Afrique, se prépare à accueillir le monde pour aborder ces différentes questions. Leader et pays solution. Au vu de sa biodiversité et sa capacité d'absorption de gaz à effet de serre, la RDC est en passe de devenir le premier poumon du monde grâce notamment au bassin du Congo. Le pays devrait recevoir sa part des dividendes en termes de crédit carbone. Le président de la République a une fois de plus porté haut la voix de la RDC et de l'Afrique à cette rencontre de haut niveau. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a élevé Georges Arthur Forrest au grade de grand cordon des ordres nationaux Kabila Lumumba. C'était au cours de la cérémonie de célébration de 100 ans d'anniversaire de la création de l'entreprise Générale Martha Forrest. Le grand chancelier des ordres nationaux a ainsi décoré le président directeur général du groupe EGM en tant qu'entrepreneur et acteur social majeur, ayant contribué au développement national et comme modèle des investisseurs en RDC. En séjour à Kinshasa pour la tenue des travaux de la mission économique de la communauté de l'Afrique de l'Est, les délégués des pays membres de cette organisation sous-régionale
se sont retrouvés à la cité de l'Union africaine autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui ils ont présenté leur civilité. Et c'est en présence du chef de l'État, représentant ses homologues de la CAE, qu'ils ont procédé à la signature de l'accord portant statut de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces précisions ont été fournies par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, au sortir de cette entrevue. La force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est devra se déployer en RDC en exécution de la volonté politique exprimée par tous les chefs d'État pour régler définitivement la question de la stabilité, la sécurité et la paix dans l'Est de la RDC et dans la région. Nous sommes à la primature, c'était dans le but de palper du doigt les différentes difficultés de la province de Kasaï que le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé était à la suite d'une mission du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le détail dans ce propos recueilli par Junior Binanga. Oui, je voudrais d'abord dire que je suis venu ici à la suite d'une mission de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui était à Kananga, séjour pour le lancement des travaux de la route Kalabambouji, une route qui est très attendue dans l'espace Grand Kasaï, et ainsi que des travaux de voirie urbaine. Et donc, nous avons été heureux d'être à ses côtés dans le cadre de cette mission, et nous avons voulu la poursuivre en restant à côté des autorités de la province du Kasaï central, pour pouvoir non seulement rencontrer les forces vives et avoir l'état de la province, ce que nous avons fait, notamment avec les représentants tant nationaux que provinciaux, ainsi que la société civile et les confessions religieuses. C'était une bonne occasion pour nous aussi d'avoir un conseil de sécurité avec tous les agents de sécurité qui travaillent ici dans la province. Et donc, tous ces échanges ont été très fructueux. Nous avons eu le temps de prendre les difficultés de la province et voir l'accompagnement en tant que gouvernement qui doit être apporté justement à côté de ce qui est fait au niveau du gouvernement provincial. Alors, quelques visites aussi importantes à mentionner que nous avons pu faire dans le cadre de la desserte en eau, la régie des eaux, mais nous avons tenu aussi à faire quelques visites symboliques, notamment l'académie militaire. Car comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes dans un élan où nous donnons beaucoup plus d'attention justement aux services de sécurité, notamment l'armée et la police. Donc un signal à donner pour voir comment accompagner cette académie militaire qui doit nous fournir des officiers qui vont nous servir demain sous le drapeau dans le cadre de la protection de notre souveraineté et notre intégrité nationale. C'était aussi pour nous un très bon moment pour voir des projets qui n'ont pas pu être réalisés et qui demandaient juste de la volonté, notamment le bac que nous avons inauguré au niveau de la Loulou, hein, pour garantir justement le déplacement des biens et des personnes. Et c'est un bac qui n'a plus fonctionné depuis 1989, ça demandait de la volonté. Nous avons salué le travail qui a été fait ici au niveau du gouvernement provincial et dans la suite, nous avons garanti aussi notre accompagnement dans d'autres projets dans lesquels ils sont lancés, notamment dans le domaine des sports avec le stade, où nous voulons qu'il soit remis au standard, surtout qu'il y a des compétitions qui sont organisées ici. Donc c'était une bonne occasion et je remercie sincèrement la population ici du Kasaï central pour l'accueil qu'ils ont réservé, non seulement à son Excellence Monsieur le Président de la République, mais à toute la délégation gouvernementale. Nous estimons que ce n'est qu'un au revoir et nous aurons l'occasion de revenir ici très bientôt. Restons à Kananga, au chef-lieu de la province du Kasaï central, où le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a encouragé et promet que son gouvernement va apporter son soutien à la formation des étudiants de l'Académie militaire de Kananga, située à plus ou moins 4 km du centre-ville. Ample détail dans ce commentaire. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé s'est rendu à 4 km du centre-ville de Kananga. Il avait dans sa suite le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le ministre d'État, ministre de ITPR, le gouverneur de province et quelques membres de son cabinet.
il a encouragé le futur dirigeant des troupes à poursuivre et parachever leur formation en vue de parvenir à être de bons chefs de troupes et défendre valablement l'intégrité du territoire national. Après un bref échange avec le général de brigade et commandant de l'académie militaire, Poutiateo Ali, le chef du gouvernement, a au nom du commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, encouragé ceux qui sont appelés à diriger nos troupes demain, tout en saluant la coopération bilatérale avec la Centrafrique. Le chef du gouvernement a par ailleurs encouragé le futur officier de l'armée à poursuivre et parachever leur parcours, tout en les rassurant de la ferme volonté du gouvernement de les voir passer cette formation dans les meilleures conditions. Il s'y est de souligner que l'Académie militaire de Kananga ne forme que les officiers militaires. À l'Académie militaire, le Premier ministre a clôturé son passage par la visite de quelques endroits avant de griffer quelques mots dans le livre d'or. Toujours dans le même chapitre, en visite officielle dans le Kasaï central, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a inauguré le bac monté par l'office de route sur le site Sanganyembwe. Il a été accueilli par une foule immense et les agents d'office de route en liesse. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé à Kananga à l'inauguration du bac monté par l'office de route sur la rivière de Lulua avant de procéder à la coupure de ruban symbolique. Le numéro 1 de Warrior a réussi le plus ample détail sur l'importance de ces bacs par le directeur provincial de l'office des routes, John Badibanga Chilulu. Ayant coupé les rubans symboliques, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et toute sa délégation ont pris place à bord du bac pour une petite traversée inaugurale de la rivière Lulua. Signalons que ce bac neuf monté par l'office des routes peut transporter plus de 10 tonnes. Il permettra aussi la traversée et le transport de personnes et des biens d'une rivière, d'une rive à l'autre de la rivière Lulua. Retenons que le patron du gouvernement a clôturé ses différentes descentes avec la visite de l'usine de la régie des eaux de Kananga ainsi que celle du stade de jeunes de Katuka Kopanda. Parlons politique en bref, le leader de l'Union pour la nation congolaise, UNC, et ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé lundi dernier dans la ville touristique de Goma, au Nord Kivu, en tournée dite Amani pour la paix de l'Est de la République démocratique du Congo. Il a été ovationné par des militants et cadres du parti, membres de l'Union sacrée de la nation, qui l'ont accompagné dans une caravane jusqu'au stade Afia, où il a tenu un meeting dans les après-midi. Dans son adresse à la population, Vital Kamerhe Luakanyinginye a invité les rebelles du M23 à déposer les armes avant de les rassurer sur la solution vis-à-vis de leurs réclamations. Parlons justice à présent. Maître Éric Birindoa invite le Conseil supérieur de la magistrature au respect de la loi organique portant statut de magistrat lors du recrutement. Il est au micro de la rédaction Face Télévision. C'est Maître Éric Birindoa. Je suis avocat au barreau du Nord Kivu. Chers journalistes, depuis quelques jours, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature a publié les listes provisoires des candidats à la magistrature pour la session 2022. Et le concours des recrutements est prévu pour le 9 octobre 2022. Il s'est fait que parmi les candidats, il y a des avocats qui ont déjà exercé depuis plus de 5 ans. Or, la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats dispose de manière claire à son article 3 que sont dispensés du concours les candidats ayant exercé comme avocat durant au moins 5 ans. Et c'est ainsi que nous sommes en train d'interpeller le Conseil supérieur de la magistrature
pour, n'est-ce pas, respecter la légalité, parce que nous sommes dans un état de droit. Et comme l'a si bien dit un auteur, dans un état de droit, la légalité est célébrée et l'arbitraire banni. Nous voulons que la légalité soit respectée lors du recrutement des magistrats. Que les avocats qui ont déjà exercé durant au moins 5 ans soient dispensés du concours. Et c'est ici l'occasion, chers journalistes, de demander à tous les candidats magistrats qui se retrouvent dans cette situation, qui ont exercé comme avocat durant au moins 5 ans, de saisir formellement, de saisir par écrit, le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature pour solliciter la dispense du concours en se fondant sur l'article 3 de la loi organique susindiquée. Un petit tour à Nitori, où ce projet rendu possible grâce à la paix imposée par l'administration militaire de Nitori sous le commandement du lieutenant-général Louboya Kanchama Djouni en centre hospitalier Karibouni, une œuvre d'office du territoire, une structure sanitaire répondant aux normes internationales dans cette province sous état de siège. La presse militaire de Nitori nous fait le point. Le secteur de la santé à Nitori s'enrichit avec une nouvelle structure. Il s'agit du centre hospitalier Karibouni, construit en 3 étages et équipé avec des matériels de dernière génération. Cette œuvre est l'initiative d'un fils et notable tourien, Dr. Lonema Vangerou. Ces bijoux viennent en appui au programme d'action du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la couverture santé universelle, permettant à toute la population d'avoir accès aux soins de qualité, a dit l'initiateur de ce projet. En offrant cette structure, en équipant ces bâtiments, nous donnons la chance aussi aux jeunes de venir montrer ce qu'ils ont appris à Kinshasa, ce qu'ils ont appris en Europe, ce qu'ils ont appris en Asie, qu'ils viennent en Amérique, qu'ils viennent en tout cas nous apporter cela dans ce cadre si présent. Pour Lucien Mouliri de la FEC à Nitori, cette œuvre démontre que, suite à la stabilisation d'une bonne partie de la province, en cette période de l'état de siège, il est possible d'investir à Nitori. Une œuvre pareille vient défier les gens pour les emmener à comprendre qu'au-delà de ce qu'ils pensent qu'il faut tuer, qu'il faut donner la mort aux innocents, il y a des fils, des dignes fils de la province de Nitori qui sont activement engagés sur la voie de développement. Et voilà l'une des conséquences du développement dont on parle. Parlant au nom du gouverneur de province, le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Alongaboni Benjamin a appelé certains fils et filles égarés de Nitori à laquelle il tire de la paix pour le développement de cette province riche en potentialité. Nous n'avons pas besoin de tuerie. Nous n'avons pas besoin de barbarie, mais nous avons besoin de sauver les vies humaines. Malheureusement, ici seront soignées aussi les victimes de ces barbaries. Je vous félicite et vous encourage à aller de l'avant. Et nous, dans l'armée, on dit vouloir ses pouvoirs. Quand on veut, on peut. Malgré toutes les conditions difficiles dans lesquelles nous évoluons en Nitori, le possible n'est pas impossible. Il faut dire que l'inauguration de ce centre hospitalier intervient après celle du centre hospitalier Elikia, construit par un autre digne fils de lui. Autre chose à présent, que s'était-il réellement passé en 2001, du 5 au 10 juin, à Kisangani, l'actuel chef-lieu de la province de la Tshopo, hein, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours. Retour en image dans ce commentaire de Marcelo Kalinda. Les faits se sont déroulés entre lundi 5 juin et samedi 10 juin l'an 2000. Ce jour-là, la ville de Kisangani, chef-lieu de la province orientale, actuelle province de la Tshopo, se réveille sous les coups des obus, chiffrés entre 7 000 et 10 000 pendant ces 6 jours. C'est la deuxième guerre, mais la plus sanglante après celle du mois d'août 1999 et le 5 mai 2000, opposant l'armée patriotique rwandaise
à l'armée ougandaise UPDF sur le sol de la République démocratique du Congo. La cause de ces affrontements, c'est d'avoir à tout prix le contrôle sur les richesses minières de cette région de la RDC. Selon le groupe Justice et Libération, une association des droits de l'homme de Kisangani, ces hostilités causèrent environ 1000 morts et au moins 3000 blessés parmi la population civile, sans compter les cas de viols. Un grand nombre de bâtiments, dont les habitations, résidences, hôpitaux, lieux de culte, la centrale hydroélectrique de la Tchopo ont été détruits et ou endommagés. Ceci est une collection documentaire réalisée par le Congolais Dieudonné Amadi dans Maman Colonel en 2017 et En route pour les milliards en 2021 qui démontre les victimes de cette guerre bravées des milliers de kilomètres pour réclamer justice à Kinshasa. La victoire du président Félix Tshisekedi a été annoncée. On voit ces victimes qui sont contentes, qui espèrent, mais depuis il n'y a aucun geste. Il y a eu un geste. Il y a eu un geste l'année dernière et c'est un fait qui a été salué un peu par énormément d'observateurs. En fait, le ministre de droits humains a été dépêché par le gouvernement à Kisangani avec une forte somme d'argent. Ce qu'on déplore finalement, c'est le fait que la distribution a été mal faite. Appelée guerre des six jours, car s'étant déroulée en même date et pour la même durée que celle vécue en 1967 entre Israël et la Ligue arabe, la RDC a servi du champ de bataille, ne laissant que de poussière et l'irréparable, même si, 21 ans plus tard, la Cour internationale de justice vient de rendre son verdict en faveur de la République démocratique du Congo, qui demandait réparation sur d'abord 25 milliards, puis 13 milliards de dollars américains réclamés par Kinshasa à l'Ouganda pour réparation. Seuls 325 millions de dollars seront sans dû, tels que contenus dans 114 pages de l'arrêt de cette juridiction internationale. Enfin, pour boucler cette grande édition de la mi-journée, jetons un coup d'œil aux obsèques de Elisabeth II, reine du Royaume-Uni. Seuls le chef d'État et leurs épouses sont invités à assister à cette cérémonie qui aura lieu le 19 septembre prochain, selon le communiqué rendu public. Ces officiers conviés aux funérailles se rendront à Londres, utiliseront le vol commercial et non des jets privés, ni les hélicoptères, encore moins des voitures officielles, mais le bus affrété spécialement. Les autorités britanniques justifient cette décision en raison de la sécurité renforcée et de restrictions routières à Londres et de tout le lieu officier de funérailles d'État. Les anciens présidents et chefs de gouvernement n'y sont pas conviés. Fin complète de cette grande édition de la mi-journée. Si vous avez aimé, dites merci à Aline Bio et sans oublier Junior Dinanga. Bonne suite de nos programmes.